chérie, il est l'heure là, il faut que je file au boulot. Surtout, n'oublie pas de porter ton casque. J'oubliais. Merci, chérie. Et rentre vite pour le déjeuner. C'est promis, je serai à l'heure. Ok, d'accord. Mon vieux, Mané, c'est comment? Ça va? Solide. Et chez toi là? Ça va. On dit quoi, vieux? Ouais, je suis là. Mais t'as plus vu? Mais c'est mon téléphone qui déconne, Manito. Comment? Je te jure. Les puces sont déjà là, avec le bise. Tranquille, même quoi. Avec quoi, les 200 kilos, c'est où? Bon, là, je suis en train de manager. Tu sais, je t'avais parlé d'une bonne petite là. Oh, mec, faut pas qu'on loupe. Faut pas qu'on loupe les 200. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? T'inquiète. À 15h, je pense que ça sera réuni. On veut un peu compter sur toi. T'inquiète, je compte sur toi, tranquille quoi. Allez, on se voit, je compte sur toi. Hein. Forcé. Ok, ça marche. Voilà. Il se ressemble? Bien. Mais pour le visage, les yeux, la façon d'être est différente. Oui, mais je ne pourrais pas. Salut. C'est Roy. Ouais. Je te dis, c'est bon, Roy. Qu'est-ce que tu me veux encore, Roy? Ne t'ai-je pas dit de ne plus jamais m'appeler? Je t'ai donné assez d'argent comme ça, ça suffit. Ta relation avec Paul, c'est mon plan. Ce mariage, tu t'en souviens, n'est-ce pas? J'aime Paul maintenant, les temps ont changé. S'il te plaît, laisse-nous en paix, Roy. J'ai besoin de 200 000 pétasses. Et tu le sais, c'est Biroy. Oui, c'est qui encore? Oui, entrez. Tu ne déranges pas, j'espère. Ah, Liz. Mais non, pas du tout. Entre. Sois la bienvenue, Lisette. Merci. Alors, et toi, comment tu vas? Oh, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Et de ton côté? Ça va, je vais bien. Je suis venue faire une légalisation et j'en ai profité, te dis bonjour. Ah, je vois. C'est très gentil, ça. Je vais très bien, comme tu peux le constater. Ta camarade, d'ailleurs. Sauf que ces deux jours, je la trouve un peu bizarre. Du genre, elle est dans les nuages parfois, je sais pas. Non, tu sais, ça nous arrive d'être parfois bizarre. Je compte même passer la voie avant de rentrer. Arrange-toi. J'ai besoin de 200 000 avant 15 heures. Sinon, tu me connais. Je vais tout balancer à Paul. Je n'ai pas assez d'argent à te donner. En plus, Paul n'est même plus fortuné. Comment veux-tu que je rassemble cette somme en quelques heures seulement, s'il te plaît? Je ne veux rien attendre. 200 000 avant 15 heures. Tu sais où me trouver, sale pétasse. Oh. Jusqu'à quand encore ce calvaire? Tu es la meilleure amie que ma femme n'ait jamais eue. Naturellement. D'ailleurs, tu es comme une grande sœur pour elle.
Bon, je vais te laisser travailler. Mais dis-moi, pour ta légalisation, c'est fait, j'espère. Oui, 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 c'est déjà fait. Sinon, je pourrais solliciter comme d'habitude. Quoi. Ah, ok. Je vais papoter un peu avec ma copine. Oui, c'est ça. Allez, allez nous critiquer. Et on sait très bien le faire en plus. Merci d'être passé, Lisette. C'est gentil. Je t'en prie. Et rentre vite la voix. C'est congé l'ennui, hein. Et attention, pas de deuxième bureau. À vos ordres, chef. C'est compris. C'est très gentil d'être passé me voir. Je te raccompagne. Et toi? Merci. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir vu. Bonne journée. Bye bye. Ah, ça fait vraiment plaisir, ça. Ah. De qui ça? Toujours belle. Alors, comment tu vas? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Lise. Regarde ta mine. C'est quoi cette mine-là? Roy? Quoi encore avec ce mec barbu là? Me coller ça et m'amener ça à la maison. D'accord, chef. Merci, à tout à l'heure. Je suis passée dire un coucou à Paul à son bureau et il te trouve très bizarre ces deux jours-là. Tu ne vas pas me croire, Lise. Mariage avec Paul, c'était un coup monté avec Roy pour nous soutenir de l'argent. Quoi? Anita! Mais un an après, je suis tombée folle amoureuse de lui. J'ai plusieurs fois donné de l'argent à Roy, mais à chaque fois, il en veut davantage. Seigneur! Et Paul, est-il au courant? Non. Il va demander le divorce, là. Je voulais juste que vous sachiez que c'est pas toi. Je veux pas faire Paul. Je l'aime tellement, si tu savais. Je sais, ma chérie. Je pense qu'il faut tout raconter à Paul avant qu'il l'apprenne. Il pense qu'il va demander le divorce et je ne peux pas le perdre, Lise. Je ne peux pas perdre mon mari. Calme-toi, ma chérie. On va trouver une solution. Hein? Je pense que qu'on doit tout raconter à Paul avant qu'il me l'apprenne. Je crois que c'est une bonne solution, ça. Oui. Bonjour, madame. Bienvenue, mon chéri. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'as l'air abattu. Évidemment. J'ai tout entendu. J'ai entendu toute votre conversation en entrant. Pardonne-moi, mon amour, s'il te plaît.
Je voulais tout te dire plus tôt, mais je ne pouvais pas te le dire parce que j'avais peur de te perdre. Pourquoi moi? Pourquoi? Pourquoi? Je ne peux pas te pardonner ça. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Pourquoi ne me l'avoir pas dit de si tôt? Quand on pouvait encore régler les choses. Pardonne-moi. C'est trop facile ça. Non. Nita, je ne peux pas te pardonner ça. Pardonne-moi. C'est trop dur. Tu m'as brisé le cœur. Combien de choses me caches-tu encore? Seul Dieu sait. Je ne te cache plus rien du tout. Lisette, écoute ce qu'elle dit. Tu ne dis rien depuis. Dis quelque chose. Oui. Est-ce que je peux pardonner ça? Je ne peux pas. Paul, elle m'a brisé le cœur. Je comprends ta colère. Pardonne-la et essaie de sauver votre amour. J'ai s'il si te plaît. Mal que je ne sais même ce que je ressens juste en oui, ce moment. Oui, oui, je te comprends. Je te comprends. Ma femme. Oui, moi, ma femme. C'est dur. Ah. C'est dur. Il est où ce Roy? Justement, je sais où le trouver. Il m'attend aujourd'hui pour prendre son argent. On ira ensemble. Cette fois-ci, il n'aura rien. J'y vais avec toi. Tu ne peux pas y aller. Quoi. Je dois y aller avec toi. Roy, il est vraiment dangereux. Tu es mon épouse. Et j'ai l'obligation de te protéger, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Annie, laisse ton mari t'accompagner. Là, ça serait la fin de votre histoire avec Roy. Roy est juste très dangereux, Paul. Regarde-toi. Rien qu'à parler de lui, tu trembles déjà de peur. Qui est cet individu au juste? En tout cas, c'est fini. Tu te changes immédiatement. Et on y va. Cette histoire doit se terminer aujourd'hui. Mais définitivement. Ça fait plus d'une éternité que je suis là, je t'attends. Tu m'as amené les sous. Est-ce que t'as le blé sur toi?
tu n'auras rien. Tu sais pas à qui tu as affaire, tu me connais pas. Hein? Tu me connais plus? C'est Roy. Et puis? Je veux ces 200 000 tout à l'heure. Ok? Sinon. Sinon quoi? Lâche immédiatement mon épouse. C'est fini. J'ai déjà appelé la police. Elle m'a déjà tout raconté, mon épouse. Ne la menace plus jamais. C'est fini. Tu n'auras plus un copec. Et toi, viens là. Écoute-moi très bien, Paul. Anita, c'est pas encore fini. On se reverra un jour, ça c'est sûr.